Les membres de ce corps sont appelés gendarmes, ou soldats de la loi. Le 16 février 1791 naissait la gendarmerie nationale, héritière de la maréchaussée. À l'occasion de cet anniversaire, chaque année, les gendarmes rendent hommage à leurs héros. Partout en France, ils se souviennent de ceux qui nous ont quittés dans l'accomplissement de leur mission, et depuis 2022, distinguent ceux qui, toujours à nos côtés, ont réalisé un acte de bravoure. La présidente du Souvenir français. Ça fait 20 ans que je suis déjà au Souvenir français. Ma mission la plus importante pour moi, c'est de transmettre la mémoire aux jeunes générations. Et on entretient les tombes et tout. Et cette année, j'ai voulu mettre à l'honneur les gendarmes. Donc c'est une première sur les Bouches-du-Rhône. Et ce que je voulais dire, c'était les honorer depuis, ça fait des années, puisque c'était impérial, c'était la colonisation. Alors, j'ai voulu mettre honneur, parce qu'ils étaient, ça fait des guerres, dans des guerres, depuis avant 14, ils étaient là. Et j'ai voulu surtout mettre à l'honneur les morts en service commandé. Voilà, la gendarmerie. D'accord. En tout cas, c'est très réussi et chapeau bas, Irène. Oui. Et merci pour ce que tu fais. Merci. C'est super. Merci à toi. Merci. Nous, c'est la France que nous aimons. Nous, c'est le képi que nous portons. La gendarmerie nous servons. Pour la patrie, l'honneur et le droit. Nous, c'est la France que nous aimons. Nous, c'est le képi que nous portons. La gendarmerie nous servons. Pour la patrie, l'honneur et le droit. Maréchaussée, gendarmerie, nos anciens nous ont précédés. Pour défendre la patrie et lui redonner sa fierté. Dans les plis de nos emblèmes luisent les batailles d'antan. Toujours sans colère ni haine, le gendarme répond présent. Nous, c'est la France que nous aimons. Nous, c'est le képi que nous portons. La gendarmerie nous servons. Pour la patrie, l'honneur et le droit. Nous, c'est la France que nous aimons. Nous, c'est le képi que nous portons. La gendarmerie nous servons. Pour la patrie, l'honneur et le droit. Donc c'est ses collègues de travail, donc ils sont tombés en embuscade en 1958, mon père avait été blessé, et malheureusement il y a de ses copains qui en est mort, donc ça c'est la cérémonie de décès. Eh bien écoutez, tout simplement que donc il a fait la garde d'Algérie, et donc il faisait partie de la gendarmerie mobile, et ensuite il a bifurqué dans la gendarmerie départementale en Algérie. D'accord. Et donc on est rentré dans les années, comme tout le monde, en 62. L'exposition ne se limite pas à honorer les gendarmes tombés au combat, mais également à reconnaître le soutien indéfectible de leur famille. Ces hommes et ces femmes derrière les uniformes ont sacrifié leur temps, leur énergie et leur amour pour soutenir leurs proches dans leur mission. Leur contribution souvent méconnue mérite notre gratitude et notre respect. En la visitant, nous nous engageons à perpétuer le souvenir de ces gendarmes héroïques. Nous nous engageons à ne jamais oublier leurs sacrifices et à reconnaître le prix élevé payé par ceux qui veillent sur notre sécurité.
Je suis passionné sur le patriotisme et la transmission de mémoire, je tiens à exprimer la profonde reconnaissance envers tous les gendarmes qui ont donné leur vie pour notre pays. Leur héritage restera à jamais gravé dans nos mémoires et nous continuerons à les honorer en veillant à ce que leur sacrifice ne soit jamais oublié. Irène s'est investie un peu plus de 6 mois pour rassembler et orchestrer ce projet qui a eu lieu du 20 au 23 février 2024 dans la ville d'Aiguières dans les Bouches-du-Rhône. Ce fut un franc succès, un public au contact de passionnés, visite d'école pour les plus jeunes, et enfin la clôture de cette exposition accompagnée de remerciements des autorités présentes, mais aussi les commémorations pour ne jamais oublier. Je suis Irène Roubi, présidente du Souvenir français des Alpilles. Je remercie également mon compagnon Régis Garrido, président de l'ANSORAE, de m'avoir aidé sur mon projet à la bonne marche de l'exposition. Pour toi, gendarme qui nous protège, pour toi, gendarme tombé pour nous défendre, pour toi, gendarme, respect. Qui nous protège.